C'est moi. De quoi? Tout le monde est là. Ouais. Je vais les appeler. Et bonjour. Bonjour. Je vous demanderai un peu d'indulgence, c'est la première fois que j'ouvre ici. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je le fais parce que Bastien joue avec nous à l'équipe loisir de rugby de la Brède, les Gravagés. Il est un des membres d'origine. Et donc pour moi, célébrer mon premier mariage avec Bastien Aurélie, c'est super sympa. Et c'est émouvant. Émotionnant. Donc Bastien et Aurélie sont arrivés. S'il y en a un couloir, vous pouvez vous mettre au milieu. C'est pas fait pour faire une arène. Hein. On peut. Il y a un grand trou au milieu, mais c'est pour mettre du monde. Bastien et Aurélie sont arrivés à la Brède en 2008. Ils sont donc brédois depuis 6 ans, si je compte bien. Ils se sont quand même malgré tout super bien intégrés au village, de par les écoles, de par les associations, de par le rugby. Vous savez, Bastien participe à beaucoup de choses. Et quand même fait partie maintenant de l'équipe des fondations. Voilà. Avec ça sont arrivées Léna et Anaï, qui elles ont grandi à la Brède à 100%. Elles n'ont pas quitté le village encore. Excusez-moi. Donc, on va faire la célébration du mariage. Je vais demander à tout le monde de se lever, mais c'est fait. Pas de regret, c'est bon, t'es parti. Donc nous allons procéder à la célébration du mariage de Aurélie Anne Lapeyrie avec Bastien Piacentino Maurice Pouzou. A-t-il été fait un contrat de mariage? Oui. Donc un contrat de mariage a été établi par maître Jean-Luc Triquet, notaire à Bordeaux, en Gironde, le 9 juillet 2014. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371.1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Et je crois que vous avez déjà essayé. Aux époux, Madame Aurélie Anne Lapeyrie. Consentez-vous à prendre pour époux M. Bastien Piacentino Maurice Pouzou, ici présent? Oui. Il était préparé. Monsieur Bastien Piacentino Maurice Pouzou, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Aurélie Anne Lapeyrie, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je déclare Madame Aurélie Anne Lapeyrie et Monsieur Bastien Piacentino Maurice Pouzou unis par le mariage. Ça peut être le moment où vous voulez changer les anneaux, si vous voulez, si vous avez préparé un petit... Thank you.
T'avais pas préparé un petit speech Non, la vache. Je suis sûr que les miennes seront meilleures que les tiennes. Alors j'ai encore un peu de lecture, excusez-moi. Je vais passer devant si tu veux bien. Donc, Bastien, mariage de Bastien, Bastien-Tinon, Maurice Couzou et Aurélie Anne Lapéry. Le 13 septembre 2014 à 14h30, avec un peu de retard, à La Brède, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune, Monsieur Bastien Piacentino Maurice Pouzou, chef cuisinier né à Versailles, dans les Yvelines, le 21 juin 1977, domicilié à La Brède, Gironde, 4 rue du Moulin, fils de Guy Maurice Pouzou, retraité, et Miranda Jeanfermi, retraité, domicilié à Pont-Circ, le Mas de Vergne, d'une part. Et Aurélie Anne Lapéry, kinésithérapeute, née à Montmorency dans le Val-d'Oise, le 1er juillet 1979, domiciliée à La Brède, Gironde, 4 rue du Moulin, fille de Roger Antoine Lapéry, ingénieur chimiste, et de Lucienne Marie Mietka, retraitée, domiciliée à Saint-Aulaire, Corrèze, La Quintard, d'autre part. Désolé pour les noms si je les ai écorchés. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 9 juillet 2014 par maître Jean-Luc Triquet, notaire à Bordeaux. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Jean-Michel Chardeyre, informaticien, domicilié à Paris, 201 boulevard Voltaire, de Lionel Jean-Marie André Lambert Bibard, employé, domicilié à Carignan de Bordeaux en Gironde, 16 allées de